Mohamed Dakité ne bénéficiera pas d'une mise en liberté provisoire. La demande a été rejetée par le président de la Chambre pénale de la Cour suprême, M. Kamfori Kaltamba. La Cour suprême statue sur le pourvoi en cessation recevable, mais rejette le pourvoi. Ce qui veut dire que la demande de la mise en liberté provisoire d'Aboubacar Gakité est rejetée et ordonne la restitution des 30 000 francs guinéens comme caution, a-t-il tranché. C'est une Mercedes 220 qui colle à la peau d'Elhadj Tidiane Traoré, l'ancien ministre délégué au transport du régime d'Alpha Condé. Il est pointé du doigt par Soma Touré, le président préfectoral de la confrérie des chasseurs de Sigiri et porte-parole de l'Union Mandingue. Ce dernier l'accuse ouvertement du détournement de son véhicule que le président Alpha Condé lui a offert au lendemain de l'élection présidentielle de 2015. Selon un bilan provisoire du chef de l'armée somalienne, une attaque suicide a fait au moins 10 morts et 20 blessés dans la capitale somalienne mardi 15 juin. Un homme s'est fait exploser au milieu des jeunes recrues de l'armée devant un camp militaire de la ville. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais les islamistes Shebab sont soupçonnés. Il y a un peu plus de 3 mois, le groupe d'experts des Nations Unies sur les mercenaires avait tiré la sonnette d'alarme au sujet de graves violations des droits de l'homme imputables à des paramilitaires russes en Centrafrique. Les experts avaient dénoncé un recours accru à ces sociétés de sécurité privée par les autorités en but à une nouvelle rébellion depuis les élections de décembre.